Ce dimanche, le président Alassane Ouattara rentre au pays après 3 semaines d'absence. Des populations heureuses, impatientes de l'accueillir. Vraiment, nous sommes très heureux d'attendre cette nouvelle. C'est pour ça que nous sommes mobilisés pour l'attendre. Cette mobilisation est suscitée par le député Alphonse Soro, président de l'APC, Alliance pour le changement. Depuis samedi matin, il conduit une caravane de mobilisation dans le district d'Abidjan, à Kumasi, Prêcheville, Adjamé, à Niama, quelques-unes des étapes de sa tournée. Le message d'Alphonse Soro est unique: réserver un accueil chaleureux au président de la République. Abidjan est prêt pour l'accueil du chef de l'État. Abidjan est prêt pour l'accueil du président de la République. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire est mobilisée pour que demain soit une fête particulière. Toi qui étais angoissé, il arrive demain et nous devons sortir comme un seul homme pour montrer au chef de l'État que nous sommes rassurés, apaisés et fiers qu'il nous retrouve pour que, ensemble, on continue le travail qu'il a commencé. Avec cet engouement et cette liesse, l'on imagine déjà l'ambiance qui va prévaloir à l'aéroport ce dimanche et dans le reste du district d'Abidjan.